Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai atteint les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc vraiment, merci beaucoup. Hey, ici Zadora et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je t'invite dans ma mezzanine. Et aujourd'hui nous allons parler livres. Aujourd'hui, nous allons parler de deux livres. Deux livres qui se passent durant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Deux livres qui parlent des camps de concentration, de ce qui s'est passé pour les Juifs durant cette période. Donc voici les deux livres et ce sont tous les deux des autobiographies. Donc les deux livres se nomment Un secret et L'enfant de Schindler. Donc je tiens directement à dire que Un secret, comme tu peux voir, il est pas mal abîmé. Il a pris l'eau tout simplement, voilà. On peut voir qu'il est ondulé, qu'il a les pages qui ont jauni. Je sais pas si ça ressort à la caméra. Mais il a abîmé tout simplement parce qu'en fait... Un jour où il pleuvait, il était dans un sac et du coup il a pris la pluie. Donc, Un secret, écrit par Philippe Grimbert et édité ici chez le Livre de Poche. La première édition date de 2004, donc c'est l'histoire d'un juif qui se rend compte qu'en fait il a un frère. Au début il se pensait juste que c'était un frère imaginaire, il se racontait comme un ami imaginaire dans la tête, comme s'il avait un frère, mais en fait il se rend compte qu'il avait vraiment un frère. Et tout au long de l'histoire, il apprend qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi il n'est pas avec lui en ce moment même. En 2007, il y a eu l'adaptation en film de ce livre. J'ai pas mal aimé ce livre parce que c'est un peu, la Deuxième Guerre mondiale et j'aime bien tous les romans qui parlent de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc au niveau des personnages, donc le personnage principal est un garçon fébrile, faible, maigre, hyper, qui n'est pas fort. Et c'est justement pour ça qu'il s'invente un frère aîné qui serait fort, qui serait grand, qui serait capable de résoudre ses problèmes pour lui, de l'aider dans les moments difficiles. Et le livre se passe en France. Le deuxième livre est L'enfant de Schindler, écrit par Léon Lesson. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, et édité ici chez Pocket Jeunesse. Donc c'est l'histoire d'un enfant de 12 ans, juif, qui habite en Pologne, qui finit dans les camps de concentration à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Un chef d'entreprise nazi, donc Oscar Schindler, sauve sa famille, qui lui permet de ne pas mourir et qui travaille dans son entreprise. Donc au niveau des personnages, donc, on a Léon qui est le personnage principal qui est à 12 ans, qui est un juif qui vit en Pologne. Au niveau des autres personnages, nous avons Oscar Schindler, donc c'est le chef d'entreprise nazi qui les aide, donc qui les permet de ne pas mourir. Donc l'histoire se déroule en Pologne. Donc Steven Spielberg en a fait un film, donc La Liste de Schindler. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est vraiment l'expérience d'un juif qui a vécu dans les camps de concentration à 12 ans, donc vraiment quelqu'un qui a subi les famines, qui a subi les camps de concentration, les travaux forcés, mais pourtant qui a survécu. Donc il a subi les famines, donc bien évidemment sa taille n'est pas, sa croissance n'a pas évolué comme un enfant normal, mais vraiment dans ce livre on est du point de vue d'un juif qui a vécu dans les camps de concentration, un enfant juif qui a vécu dans les camps de concentration, donc le message est assez fort. On peut voir sur la couverture qui est écrit. L'histoire du plus jeune garçon sauvé par Oscar Schindler, aussi intense que le journal d'Anne Frank. Vraiment, c'est une histoire avec un message très très fort. Donc voilà pour ces deux livres, donc ces deux livres qui se déroulent durant la Deuxième Guerre mondiale. Du point de vue de juifs, donc savoir qu'est-ce qui leur est arrivé aux juifs. J'ai beaucoup aimé ces deux livres. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Va t'abonner à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et va faire un tour sur mon Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!